La bataille de San Romano est une œuvre laïque qui se décompose en trois panneaux distincts. Aujourd'hui, l'un se retrouve à la National Gallery de Londres, un autre à la Galerie des Offices à Florence. Enfin, un troisième peut se voir à Paris, au musée du Louvre. Ce triptyque, composé très probablement en 1438, est l'œuvre de Paolo di Donò, plus connu sous son nom de peintre, Paolo Uccello. À la construction du nouveau palais Médicis, Laurent de Médicis, le successeur et petit-fils de Côme l'Ancien, aurait récupéré par la force le triptyque, et ce pour l'ornement de sa nouvelle chambre à coucher dont voici une reconstitution. L'ordonnancement des panneaux a été longtemps sujet de discorde. En outre, il est plus que probable que le troisième tableau venait à angle droit par rapport aux deux autres. Une lunette surplombe également le panneau, dans laquelle ciel, lance, champs et arbres devaient s'étendre. La lance du cavalier désarçonnant Bernardino semble devenir rayon d'un cercle. La colline en arrière-plan, quant à elle, épouserait presque la lunette, de sa courbure quasi identique. Un rajout a été fabriqué en bas du tableau à gauche, de la même façon que pour les angles supérieurs, ce qui laisse à supposer qu'une porte devait se trouver à cet emplacement précis, porte sautée par le cheval comme un obstacle. Ce rajout se constate aisément à œil nu lorsque l'on éclaire le tableau. Voici donc la disposition probable originale du triptyque dans sa demeure initiale, celle de Leonardo di Bartolomeo Salimbeni. C'est le cavalier blanc, le plus visible, qui nous introduit dans ce tableau. Vu de biais, il semble épouser parfaitement la direction de notre regard. Au sol, seules quelques touffes d'herbe semblent introduire une légère perspective. Aucune profondeur dans ce panneau. La végétation est partout et intense. Elle empêche toute fuite du regard. Cette fuite ne doit pouvoir se produire exclusivement que dans les panneaux centraux. C'est Micheletto qui, au centre de ce panneau, donne le signal de l'assaut. Si on replace l'œuvre de biais, on se rend compte que lui et sa monture dirigent le regard vers nous. Et que la direction qu'ils prennent tendrait à les faire rejoindre Bernardino, soit le cœur de la bataille. Il y a un jeu de rebond, donc, entre le regard du spectateur attiré et la direction effective de Micheletto et de sa monture. C'est un peu comme si le vide entre les deux panneaux se comblait par la traversée du condottiere, transperçant son panneau pour aller rejoindre la mêlée. La scène dramatique du milieu est composée en triangle avec la représentation de trois cavaliers, dont deux sont déjà tombés au combat. En fait, ils sont tous exactement identiques. Seule, leur orientation change. Il faut imaginer un Uccello passionné, se jetant ce défi à lui-même et faisant pivoter du même coup le petit cheval de bois ou d'argile qui lui servait de modèle dans une autre direction, se lançant alors des heures durant dans l'exécution de cette prouesse technique. Dans les années 1884-1885, Muybridge devient un pionnier dans l'histoire cinématographique en matière de décomposition du mouvement. Ici, il nous donne à voir un magnifique aperçu des différents stades de la course exécutés par un homme. Mais savait-il que 4 siècles auparavant, un confrère à lui se passionnait déjà exactement pour le même sujet ? Les cubistes pouvaient trouver leur compte dans la manière dont les volumes sont représentés par facettes. C'est donc pour le côté plutôt aussi abstrait, la passion d'Uccello pour la géométrie, que ces peintres se sont intéressés à ces tableaux.
Les surréalistes trouvaient aussi leur compte par le caractère très étrange de cette bataille, finalement, qui a l'air un peu nocturne, et par ces cavaliers en armure qui peuvent sembler à des écrevisses.